Moi, je vous. Je vais vous présenter le premier démo du projet Sekou. Sekou, c'est une application de gestion scolaire qui permet à un établissement supérieur au collège de gérer la partie administrative de son établissement scolaire. Cela étant, elle va permettre d'inclure la gestion des élèves, enregistrement, inscription, les frais de scolarité, et également permettre de gérer les notes, la planification des emplois du temps, la planification des examens. Bien d'autres choses. Je me nomme Sidorf Duntio, je suis développeur Java Fistic. Ce projet a été initié. A été initié en fait, je dis par un supérieur, dont la coordination de ce projet en fait, il coordonne le projet. Ce nom monsieur Wadoufé. Je vais comme j'ai dit au début il s'agit de faire la première démo du projet. Cela va permettre visualiser l'état d'avancement du projet, valider les différentes fonctionnalités et afin de choisir la plus importante d'ajouter des nouvelles ou orienter le projet vers une utilisation précise. Le projet a été développé grâce à deux principaux langages de programmation, Java et TypeScript. Le backend fait en Java va utiliser le framework Spring Boot version 3.x. Nous allons utiliser la librairie Spring GPA. Nous allons utiliser Docker pour containeriser la base de données. Postgres, c'est le système de gestion des bases de données utilisé pour le stockage et tout. Le front-end, dans le site TypeScript, le framework Angular pour plus de composants avec Angular Material. Bien évidemment, on va utiliser Bootstrap pour améliorer le design les détails techniques, la documentation. Seront présents dans le cahier dans la documentation manuscrite. Le projet est également disponible sur GitHub, GitHub. Et pour la gestion du projet, nous avons utilisé Jira pour la gestion du projet. Avant de mentionner, je souhaite mentionner que le projet est développé sur la base de la philosophie Agile. Ah ouais.
Un autre intervenant que j'ai oublié, c'est. Le responsable du design, puisque moi j'interviens en tant que développeur frustré. Donc je fais du packing et du front-end. Il y a quand même un autre intervenant, nommé Pierre. Le nom de l'intégralité est posé en avant dans la documentation. C'est celui-là. Il est responsable du design et conçoit. Donc, comme chef du projet, monsieur Wadifa. Donc, rapidement, je vais commencer par présenter jusqu'à où nous en sommes déjà. Donc, j'avais ce bouton Start Test Attack qui permet de commencer. Donc, puisque nous n'avons pas encore intégré le login et la sécurité, vous allez voir cette première interface qui permet de configurer. Une année scolaire. Donc, prochainement, quand on aura récupéré la sécurité, avant d'arriver ici, nous allons d'abord effectuer une authentification. Donc, cette première interface permet de créer une année scolaire, puisque les études ou la gestion scolaire se basent sur une année scolaire. Donc, on peut entrer. Année scolaire, nom de l'établissement. L'abréviation de l'établissement en question. Le projet est encore en cours. Je crois aussi dans ce dashboard là qui est encore vide. Dans le premier point qu'il faut vérifier, c'est le menu setting qui permet de configurer, ajouter une spécialité, une option qui est la filière, le niveau. Niveau 1, niveau 2, master 1, master 2. On peut acheter des prix comme ça avec le crédit. Donc ici on peut visualiser. Oui. Les différentes filières et spécialités. Donc on peut s'amuser comme ça à ajouter le GMH. Maintenant, je vais ajouter une filière qui s'appelle bâtiment. Alors, la vidéo peut être longue. Bâtiment. Je crois, oui. Je crois que c'est une filière, bâtiment. Ah non, j'ai mis ça. Déjà ici. Ah ok, j'ai mis ce geste déjà dans un peu plus créé. Le péage initial, je ne sais pas encore où il reste patient. Je peux ajouter communication, je ne sais pas si c'est un département, c'est une spécialité. Communication, je ne sais pas si c'est communication.
là, c'est R ou l'abréviation de la filière. Et si on peut mettre ça dans son interactif, non, non, recherche opérationnelle. C'est CO. Les communications et l'évaluation de la capacité. C'est quoi, c'est ça? Indication. C'est vrai, c'est organisation d'entreprise. J'écris cette filière sur la base d'une spécialité. J'essaie d'acheter un niveau 1 au bout du master 1. Master 2, forcément. Ah non, c'est pas grave, j'ajoute ici. Master 2. Parce que vous voyez les noms scolaires, bon, là c'est pas encore actif, ça fonctionne pas encore. Voilà, maintenant que le filet que nous avons ajouté n'est pas présent. Je vais essayer d'actualiser. Ok, et voilà. C'est où qu'on a choisi une zone d'entreprise et la fille de communication. Okay. Ça sont les petits bugs qu'on doit mettre au point lorsqu'on crée la fille, que cela puisse s'afficher directement. Et puis, normalement, ce menu fixcodefill qui permet d'enregistrer par spécialité, par filière, par son de la scolarité. Donc je choisis une variable ici, GSI1, on peut dire c'est un nom, c'est GSI2 également. Frais d'inscription, c'est 51. Et la scolarité, c'est 600 000. Super. Là, on peut effectuer les recherches pour affilier la spécialité, c'est pas encore disponible, bien évidemment. Puis on commence, on s'est dit l'année scolaire commence et puis on reconnaît dans quelle filière, par exemple GSI1, quels sont les cours que nous aurons, je sais pas, mathématiques, algorithmes et tout, et tout, et tout. À travers ces recherches, on va faire des filtres. On peut dire par exemple niveau 1, ça va afficher tous les cours du niveau 1 et c'est pour l'année scolaire. Au niveau du GSI1, on peut sélectionner là GSI1 niveau 1 et puis on clique ici, ça affiche uniquement les coûts de ce cycle là, et puis on pourrait exporter ça au format Excel ou au format PDF via ces différents boutons là. Donc essayons d'enlever un coût, par exemple un coût de qu'est-ce qu'il peut me faire ces gens-là? Contributeur analytique. Non, j'ai déjà ma chance pour contributeur analytique. Comment dire? Comment dire? Bon, anglais. Il y a beaucoup d'anglais ici. Ok. Communication de personnes un peu plus évoquées. Anglais, sous le niveau. On peut ajouter comme ça, la connexion est déjà un peu plus niveau. Il faut un coup d'angle. Le crédit de la matière, je crois. On va ajouter. On peut faire, c'est comme ça que ça se fait. Et on peut ajouter d'autres.
mathématiques, la loi mathématique financière, la physique, il y a une filière que je peux ajouter, TP, travaux publics, je pourrais en ajouter une. Bon, je ne vais pas revenir sur cette ici, on va ajouter cette filière TP ici, et puis on enregistre. Enfin, je ne vais pas revenir dessus. On va voir un peu comment ça se passe, comment on ajoute les coûts, et on peut effectuer les filtres en fonction du niveau, en fonction des options, et effectuer les recherches. Bon, on va aller sur la gestion de l'élève. Également, là, on peut effectuer les recherches en fonction du niveau, de l'option, de l'année scolaire, et puis cliquer sur ce bouton-là. Le tableau va afficher les élèves en fonction du niveau, tout et tout et tout. On peut exporter les élèves au format PDF et Excel. Donc, on va procéder à l'enregistrement d'un élève. On va appeler désolé, je me suis fait un profond du film américain. Du coup, pourquoi je mets le nom? Je veux qu'on puisse changer, mais ça va, c'est pas grave, c'est que c'est féminin, mais on m'a dit qu'elle est née. Je peux enregistrer l'élève maintenant. L'élève est enregistré, coup de Alice. Alice, oh, ici, mon nom là, Alice. Ok, j'ai cru qu'il y avait une erreur. C'était Alice. Non. Du coup, la grâce email est différente. Bon, ça passe. Là, j'ai dit l'élève qui calcule automatiquement. C'est super. Donc le tableau déjà en ligne est responsable, en lui-même responsable, donc on peut faire des recherches. Sinon on peut des 20 élèves, on peut faire des cris là comme ça. Et on a les boutons là, je vais mettre des cliquer en avant et en arrière. Les boutons là sont disponibles. L'élève est enregistré, on peut ici le menu register, student register, là on vérifie les élèves qui sont déjà inscrits. Donc si un élève n'est pas inscrit pour une année scolaire, l'élève ne va pas s'afficher ici. Donc là, maintenant que je fais la demande, je peux vraiment expliquer comment fonctionnent certains algorithmes implémentés dans la solution. Lorsqu'on enregistre une année scolaire, l'année précédente de l'école en question n'est plus active. Ce qui fait que notre algorithme vérifie tous les élèves qui sont inscrits pendant l'année scolaire et automatiquement va rendre ces élèves-là les statuts non inscrits. Parce qu'il faut que chaque année les élèves doivent s'inscrire et effectuer les paiements. Alors ça c'est ce que j'ai déjà enregistré. Je vais inscrire mon nouvel étudiant. La fonctionnalité qui vient d'expliquer, désactiver l'année précédente, désactiver l'année suivante n'est pas encore à l'œuvre. Un élève, on se sert à partir d'ici. Du coup, pourquoi à partir d'ici? Parce que c'est logique.
On peut effectuer la recherche là, le nom de l'élève et sa fiche, ou bien on essaie de chercher par niveau, par option et par niveau, et puis on fait un filtre. Les élèves de cette classe à sa fiche, et puis à travers ce bouton-ci, on peut par exemple éditer, modifier l'élève ou bien inscrire l'élève. L'élève là, on peut l'inscrire au niveau 1. Scolaire, bien comment ça se fait automatiquement. Après, j'ai dit c'est pas encore actif. Je peux mettre 2025 comme ça. Pour l'instant, on s'est malé. C'est où quand je suis dans l'entreprise? Sa inscription, c'est 50 000. On va inscrire. Inscrit. Les tests et les erreurs, on va faire une autre vidéo pour vérifier les tests. Par exemple, on vient ici, on met moins 50 000 ou bien moins 50 000 A. Et voici, nous avons une erreur. Voici, nous avons une erreur. Voilà. Le formulaire est désactivé pour des fois. Et voici, nous avons une erreur. Alors, vous voyez qu'on ne peut pas mettre les chiffres et les écrans. Sinon, on ne peut pas enregistrer les deux. Donc, super. On va venir sur notre élève qui a été inscrit. Après l'inscription, c'est 51. Bon, on peut importer la liste des élèves inscrits au format PDF et Excel. Nous allons également ajouter les filtres par niveau, par filière et par niveau. C'est-à-dire qu'on peut rechercher les élèves qui sont inscrits en 2020. Les élèves du niveau 1 de la filière GSI et puis exporter cette liste là en format PDF ou Excel. D'autres utilisations pour les rapports, pour les réunions pédagogiques avec les supérieurs. Mais on peut également, si jamais eu une erreur, un peu. Voilà, petit loin, la recoute par ça. On va éditer. Ok, elle est sortie au niveau de la position parce que c'est de modifier. Quoi, il y a des erreurs. Ok, c'est cool. Là, je peux effectuer les modifications. Si je n'enregistre pas, il m'envoie un message. Est-ce que je veux vraiment sortir? Parce que je peux décider, ça c'est pas erreur sans effectuer l'inscription. J'ai dit oui, je peux pas sortir. Comment je peux que je sorte? Ok, on passe au point suivant. On va essayer de faire une petite emploi du temps des élèves du niveau 1. Et bien évidemment, c'est le même principe. On peut effectuer des recherches au niveau, spécialité, par année scolaire. Mais exporter aux différents formats PDF et Excel. Donc je vais faire un peu de temps des élèves de GSI niveau 1. Et du coup, de mathématiques. Ouf, non, on pas encore d'enseignant. Donc je ne comprends pas l'enregistrer. Si on enregistre un enseignant, il peut s'appeler comment? L'ancien m'a marqué. Oula. Je connais une. Est-ce que je ne sais pas le nom des anciens de mathématiques à tête? Ah, il y en a une. Ça va, je mets que le nom de l'ancien qui me vient à la tête. On va mettre comme ça. Français, sûr. Vous m'avez dit
pas le nom d'un enseignant de mathématiques en tête. Franchement, il faudrait. Hein. Mais qui nous pose des garçons, qui nous pose des garçons. James Gosling. Ouais, si vous avez remarqué, c'est pas un enseignant, bon, c'est un enseignant, c'est l'un des fondateurs du langage de programmation au Japon, James Gosling. Ouais. C'est anglais ANGAIS. Bon, comment j'ai fait pour deux coups d'anglais? On met de revenir. Ouais, peut-être que j'avais pas encore. Il y a une déception avant. Bon, ils sont pas encore en production. Bon, on va vérifier tout ça après. Il y a quelques coups qui manquent ici. C'est quoi cette conscience? Bon, je vais choisir. Il peut faire coup d'alcoolique, j'ai déjà choisi. Quoi que je sais pas si j'ai choisi un coup. Qu'est-ce qu'il vient de choisir aujourd'hui? Bon, ça va. Disons qu'il peut. Il peut faire coup de comptabilité analytique. En fait, ils font. Voilà, c'est au niveau des qu'ils font ça. Quoi. Ça va, je vais laisser non, je vais mettre anglais et toujours lundi mais à partir du il peut avoir vous à 12 là, et puis on va commencer à 13h00 puis finir à 10h du coup d'anglais, 15h. Oh oui, c'est bon, la séance est ici. Bon, je crois que ça va, je peux m'arrêter comme ça. Reste un marqueur. Lundi, c'est un escouade à 8h30. Niveau 1, ils ont coup d'anglais, puis 13h, 15h, ils ont toujours le lundi, ils ont coup d'anglais, je sais pas. Donc, ici, on ajoute toutes les filles, puisque c'est une application, c'est une solution. Maintenant, si par exemple, je veux une plan d'emploi du temps des élèves du GSI, des élèves de travaux publics. Et ainsi, carreau public 1 par exemple, niveau 1, carreau public qui choisit l'année.
définis comment à lister l'interview par mois pour cela. Ok, bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça va fonctionner. Non, ça c'est pour l'emploi du temps, exploiter un peu le format et tout et tout et tout. Une nouvelle gérer les enseignants et tout, c'est bon. Assignment, ce sont les différents examens dont on a programmé des examens. Donc, en dans une liste, on peut également effectuer des recherches par niveau, par option et tout et tout. Question de planifier un examen qui va aller dans. Adapte l'examen. L'examen se fait pendant une période durant les 5 jours. Nous sommes aujourd'hui 21. Ok, disons que l'examen va commencer mardi le 3. Mardi le 3. Et août 8 25. Et ça se termine le vendredi le 6. Vendredi le 6. Et de 2025. Ok. La période est faite, je valide. Ok, la période du quoi au 2025 aussi où je choisis le. Choose. Please make sure to add all codes for this period or exam. Donc, tant que vous êtes sur cette info, voici enregistrer tous les examens qui auront lieu pour cette filière-là pendant cette date ou pour toutes les filières pendant cette date-là. Donc, ils diront mathématiques, c'était à 8h. Et bien sûr, nous pouvons avoir plusieurs. Examen qui passe à la même heure, mais les filières différentes et les niveaux différents. Donc, j'essaie un peu passer son examen à cette heure-là. J'essaie un. Un mesure de 2025. On dit que c'est examen pour session normale et assignment pour session. Bref, maintenant c'est en anglais, on pourra modifier plus tard. Moi, je prends comme ça examen pour session normale. Donc l'examen a commencé le lundi. Donc je l'enregistre pour l'examen le lundi. Après, je crois que pour gagner un temps, je ne vais pas vider le formulaire. Après avoir ajouté un compte. Question du rapidement, je souligne que les heures pour cela. Ok. Non, GSI1 toujours se concentre sur GSI1, ils ont fini à 11h, ils ont 40 minutes. On relance directement la deuxième épreuve. 11h00 pour. Il va faire 13h. C'est du GSI1, mais pas niveau 1, le scolaire 2025. Ce champ sera rempli automatiquement quand la question sera jouée. Oui, c'est toujours lundi. Pourquoi pas appuyer jusqu'à tout à midi qu'il a d'être à sa mère au dispositif. Donc, pour en parler jusqu'au temps d'examen, c'est plus de là. Nous essayons de saturer la journée pour encore une dernière épreuve. Ils ont fini à 13h, ils ont un repos de 30 minutes, on reprend à 13h40 pour finir à 3h30, tu vas avoir l'examen d'algo. Alors, comment on croise le temps
financier faisait 30. Du coup, c'est algorithmique et GSIM toujours niveau 1, année scolaire. Alors, c'est chance automatiquement, là, on aurait pu le faire. Et c'était vu une session normale. Toujours lundi. Cool. Donc, ok, ça fait un peu visualiser pour voir cette période dans cet examen le lundi 8h, 11h, 13h30, fini à 11h, puis ça commence à 11h, fini à 15h30, commence à 15h15, fini à 16h15, abonné, engagé, c'est un lot. On peut ajouter pour les filets différentes et tout, je fais ça rapidement pour ne pas que je sois moins long. On va faire du coup tutoriel au fur et à mesure que le projet évolue. Là, il faut enregistrer la note des élèves. Donc, après un examen donné, on va enregistrer la note. Et on choisit le cours. Par exemple, si c'est un cours de mathématiques, niveau 1 par exemple, on choisit la note scolaire. On choisit le type d'examen. C'est un examen, c'est une session normale. C'est le premier point qu'il faut faire pour enregistrer la note. Quand on a choisi la salle de classe et tout et la matière en avance. Puis ici, il faut bien choisir les élèves puisque la note est sur la base des élèves. On va ajouter la note à tous ces différents élèves là. Okay. Dans notre algorithme, on va faire des tests sur TQ. Les élèves qui s'affichent ici sont uniquement les élèves qui sont inscrits. Donc si un élève n'est pas inscrit, il ne pourra pas être visible ici. Mais ce n'est pas encore le cas. C'est pour ça que c'est pour ça que le niveau n'est pas présent. Bon, forcément, je n'ai pas enseigné ça dans mon cours. Mais c'est comme ça que la boule moi c'est présent. Je donne les détails techniques et tout pour modifier moi-même pour ne pas m'obliger dans cette vidéo que j'ai dit, c'est à la fois technique pour enregistrer la profession du projet. Donc enregistrons la note d'abord de couper. Je connais un peu la classe que j'ai choisi au niveau, ça fait un peu tard. Bon. Disons que couper a eu 16 ans en matière là, je sais pas c'était quelle matière, je sais pas. Je devais copier dans mes trucs. Quand je faisais la matière, tout affiche ça pour me rappeler. Donc si les deux là bien travaillé, je peux l'envoyer un feedback comme une grille. Ok. Ok, là on risque de couper. On dit quand on risque de Pixon, Jessica Pixon. elle peut avoir 14. Ah oui, j'ai dû mettre le verre écoute là. Parce que je vais mettre le coup ici. J'ai mis tous ces enregistrés, je suis à une 10, 10, 9. Maintenant, il n'est pas bien gravé, je ne sais pas. Justement, ça n'a pas enregistré, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est dans mes conditions dans le coup. La moyenne de 9. J'ai pas pu couper son type. Quoi, il y a de... Ok. Ça va pris, je sais pourquoi. Là, je peux pas tirer dans mon coude comme ça, mais je vais chercher. C'est juste dingue. Je suis encore en développement. Là,
Quand j'ai envoyé la moyenne de 9, il arrive ici dans l'algorithme. Il cherche, il ne voit pas 9. Et puis si la note est égale à, la note n est égale à 5 ou inférieure ou égale à 10, je crois qu'il ne se recoupe pas. Il prend strictement égale à 5 ou strictement. Strictement inférieur à 10. Du coup, c'est strictement inférieur à 10, ça veut dire que ici, ça veut dire que 10 n'est pas inclus. Donc ici, on peut égaler à 10 et puis 11, ainsi de suite. Je vais redémarrer mon backend. Puis je vais aller vérifier. Ok, maintenant ça se situe au front, tout est encore là, nous ne sommes pas encore en production, c'est encore là, on travaille puis on fait une usine dans les avances. Là je vais essayer, si t'as arrêté, c'est pas si t'es normal, je vais essayer de mettre encore 9. C'est parce qu'elle n'est pas encore inscrite, justement parce que je repense en quelle filière Nana se couvre, Nana Ali se couvre. Je ne sais pas dans quelle filière. Non, parce qu'elle n'est pas encore inscrite. Mon algorithme n'affiche pas encore uniquement les élèves inscrits ici. Du coup, je crois que c'est l'erreur. 9. J'espère qu'avec John, ça se passe. Ok, John s'est inscrit donc. Alors, je vais le revenir. Ok. Là, je reviens dans mon code. Il y avait effectivement une modification. Alors, on peut effectuer les échecs ici, mais c'est pas encore disponible. Il y aura également les filtres, il y aura les boutons pour exporter. Non, ici on n'a pas besoin d'exporter quoi que ce soit. Juste fait la recherche. Bon, moi j'ai fait les filtres pour voir les élèves du niveau de la fille. J'ai ce si j'ai eu deux, j'ai encore le conseil dans l'entreprise. C'est contact de gestion des entreprises. Voilà. Voilà, on va essayer d'afficher la note des élèves. Voilà, ici ça affiche la note des élèves. Oh, mais on n'a pas la note des élèves comme inscrit, non, c'est pas ça, c'est là. Vous voyez, ils ont mis un peu du 5 éléments, donc ce sont les 8 premiers que je suis venu là. Ou bien on est affiché 10. Ou afficher 20. Tous les élèves présents, entre 8 et 20.
tellement convivial et, tu vois, avec ces visuels-là, ça peut être visuel également. Un autre visuel jaune, ouais, fais attention, tu peux encore finir 14 gouttes, mais ça va mieux. Quand tu as 19 sévères gouttes, tu as 4 sévères, ouais, ça embauche. Du coup, on va travailler davantage sur l'économie pour rendre l'application un peu plus agréable à la vue, une bonne économie, tout comme ça, que ce soit vraiment super intéressant. Et ici, on peut exporter aux différents formats, effectuer les films. Dans le prochain sprint, nous allons travailler sur l'implémentation des notes des élèves sur un format, c'est-à-dire envoyer les notes des élèves, ces matières, les notes, et puis on peut calculer pour voir sa moyenne par matière, par trimestre, par examen. Donc c'est sur ce point que nous allons travailler. Il y a des questions que cette vidéo-là envisage le prochain bail si ces points-là sont exacts afin d'évoluer sur l'implémentation. Moi j'appelle ça l'implémentation des rapports. Également, on va travailler sur après l'inscription et un reçu que j'ai pu générer après. Et après quoi il va effectuer par exemple on peut effectuer quand tu devais payer sa scolarité et on va effectuer une fiche de paiement avec un PDF. Alors ici c'est mon principe en fait la recherche et puis il fait des exploitations. On peut faire la recherche de l'élève, on va essayer de lui payer la scolarité du Cooper, je sais plus, Cooper fait niveau 1 CO. Je sais pas si j'ai enregistré. Ok, oui je vais vraiment quitter, on n'a pas de soucis. Ok, c'est niveau 1 CO. Ok, non, niveau 2, je vais enregistrer un élève. Je sais pas si j'ai un niveau 2. J'ai un élève qui est au niveau 8, mais tous mes élèves sont au niveau. Bon, on va inscrire. Ok, on va inscrire. Ok, la scolarité. Dans le bouton plus, c'est pas souvent. C'est au niveau 2. C'était un niveau 2. Bon, après l'inscription, les élèves au niveau 2. 50 000, attention, il y a des gens qui font si je c'est comment ça va faire l'entreprise. Moi j'ai envie d'effectuer un test sur la base des élèves. C'est au commencement, comment ça va faire l'entreprise. Ok, fixer la scolarité au niveau 1, là, 50 000, la pension c'est 450 000. C'est pas important. Dans effectuer le paiement de la scolarité, ici on fouille les lèvres, quand on a prouvé les lèvres, on peut cliquer sur payer la scolarité. Maintenant, on va choisir est-ce qu'on paye la scolarité une seule fois ou en plusieurs reprises. Moi, je vais dire payer ça en plusieurs reprises. Bon, oui, quand c'est. On va payer la scolarité une seule fois. C'est
des chances auto et automatiquement désactivé, puis on peut payer une fois la pension totale. Donc on m'a dit plusieurs fois dans ce champ de désactiver, bon, on peut exiger quelle est la somme qu'il faut payer à la première tranche, la deuxième tranche, mais ce qu'il y en a, c'est qu'il faut forcément effectuer la paye pour cette tranche, pour la première tranche ou la deuxième tranche. Bon, c'est niveau 1. Je crois qu'il faut que ces champs soient remplis automatiquement. Parce que si un élève se coupe qui est au niveau 1, donc forcément, j'ai plus besoin de me répéter là. Niveau 1, convention, je vais essayer d'encore plus de coups. Ce champ là peut être automatiquement rempli et désactivé. J'ai plus besoin de le faire. Parce que c'est un élève qui a été inscrit dans un niveau et dans une filière. J'ai plus besoin de le faire. Ouais, je crois que je dois améliorer ça dans le green. Et même l'année scolaire, j'ai plus besoin de le faire puisque l'élève là s'est inscrit pour cette année scolaire. Donc du coup, ça fait que on va qu'enregistrer les élèves qui sont. On va que lister les élèves qui sont déjà inscrits dans cette partie-ci. Donc c'est cool, c'est vraiment intéressant de revenir sur son travail. Donc on va dire. Il va avancer par exemple de 150 statut pending, du coup pourquoi, parce que la scolarité totale des élèves c'est où les pensions, c'est 450 000 et elle n'a que plus du salaire, parce que reste encore 250 000. Alors, du coup, mes pending, on ne sait pas, elle n'a pas encore complété sa pension. Donc, c'est pour améliorer également la vue et tout. Donc, pour voir la progression de la paix de la scolarité. Donc, comment désolé, à chaque fois que je fais petit, donc, c'est devenu bizarre. C'est 7 ans. Nous pouvons également effectuer ici des recherches par filière, par niveau, bien par statut également. Je crois qu'il faut vraiment implémenter par statut pour afficher sur l'ange. Il reste encore quelque chose dans la scolarité. Ce qu'il reste encore, c'est qu'il doit en copier. Donc, on peut effectuer comme ça. Donc ici on peut enregistrer tous les élèves, peu importe le niveau, peu importe la classe, il fait que juste les filtres pour afficher certains élèves précis. Je pense qu'il est important qu'ici j'affiche les élèves, le statut des élèves sur le plan de vue des frais de scolarité. Mais par exemple, actif, ceux qui fréquentent encore l'établissement. Inactif pour ceux qui ont arrêté l'année scolaire. Et également, je crois que c'est important de mettre pending, statut pending pour frais de scolarité, scoofie. Pending pour dire que l'élève n'a pas encore complété sa scolarité et complet pour ce qui est effectif. Bon, voilà, ainsi marque la fin de cette première vidéo, article démonstratif.
aussi de comprendre, de mieux asseoir et cerner les objectifs de cette solution. Ces coûts, qui, comme j'ai dit au début, permet de gérer projet administratif et un établissement scolaire. Les suggestions, les idées critiques, si vous tombez sur deux par hasard, n'hésitez pas à les critiquer en commentaire ou apprécier la vidéo, parce que je veux la mettre.